Le concept de la free truck party, en fait, c'est de pouvoir donner une seconde vie aux objets qu'on n'utilise pas ou plus et pouvoir récupérer des nouvelles choses. Donc ça peut être des vêtements, des objets en tout genre, de la décoration. Tout est accepté à la free truck party à part les objets trop encombrants. On ouvre les inscriptions à midi, une semaine pile poil avant l'événement. Principalement, ce sont des femmes qui participent à notre free truck party. Et principalement, ce sont des vêtements. Il y a 3 sessions de 150 personnes à chaque session. Ils rentrent dans l'espace de troc, ils déposent sur les tables par catégorie d'objets. Et après, ils se servent de ce qu'ils veulent. Voilà, donc ils peuvent ramener une chose et repartir avec 50 choses, ou ramener 50 choses et repartir avec une chose. Il n'y a pas de règle, voilà. Alors à la fin, donc en effet, il reste pas mal d'objets. Il y a à peu près, on va dire, entre 15 et 25 gros sacs d'affaires. Et du coup, c'est l'association Emmaüs Alternative qui vient récupérer sur place à la fin, à 16h30, tout ce qui reste. Et avant de faire le site internet Paris Friendly, on organisait ça chez moi et on appelait ça la foire aux vêtements. Donc ça, on faisait ça sur les vêtements, quoi, entre copines. Puis avec Linda, quand on a créé le site il y a 14 ans, on s'est dit ce serait super sympa de faire cet événement-là avec nos internautes, qui étaient une petite communauté à l'époque. Et voilà, et on a fait la première chez moi. Petit à petit, on a continué à maintenir cet événement qui plaisait bien à tout le monde et qui apportait vraiment pas mal de bonheur à tout le monde et de joie. Ça nous a fait vraiment plaisir, quoi. C'était vraiment des bons moments à chaque fois.